pouvez me sauver la vie? Ça dépend, c'est quoi l'urgence? Bah en fait, je dois monter un spoiler avant 15h30. Si j'y arrive, vous êtes un homme riche. Et si j'y arrive pas, je suis un homme mort. Allez. Si tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, c'est Electron Libre. Aujourd'hui, je suis avec Yann. Salut. Alors Yann, t'es un chauffeur de taxi pas comme les autres? Non. Parce que tu vas tuner ta... Je fais rien comme les autres. Tu vas tuner ton taxi, tu te prends pour Samy Nasseri. Exactement. Ou c'est un taxi blanc. Voilà, et donc tu m'as été envoyé, chaudement recommandé par Franck. Oui. C'est une connaissance, hein, oui. Et en même temps, t'es client. Et moi, en fait, cette vidéo... En fait, j'ai un de mes fournisseurs qui s'appelle Joy Tutus sur AliExpress qui m'a proposé une lame imitation carbone pour Tesla Model 3. Et donc, j'en fais profiter un de mes abonnés. Du coup, ce sera toi. D'accord, c'est gentil. Voilà, puisque tu m'as été envoyé par Franck. Voilà, et donc, c'est cadeau. Hein, c'est offert. Et donc, ta voiture, elle est déjà un petit peu légèrement modifiée. Hein, t'as juste t'as enlevé les aero-wheels. Oui, surtout. T'as mis un béquet et puis là, tu vas mettre une jupe à l'avant, quoi. Donc un beau taxi blanc, hein, voilà, long range. T'en es content? Grave. On peut pas ne pas être content. Pour ton activité de taxi, c'est bien. Un petit peu de carbone à droite à gauche. Ah, t'en as mis aussi là, ouais, d'accord. J'ai vu que t'avais fait la console, ouais. J'attends le bandeau. Tu l'as commandé? Ouais. T'aurais dû me le dire, j'en avais un. Dommage. Le volant aussi, ouais. Le volant, ouais. Voilà. Ah, c'était celui qu'Eric avait au début. Oui, le même que ça, c'est ouais. Vrai, j'avais pas oui, aussi, moi ouais. Je préfère les trois pièces en fait, les trois petites pièces. Ok, c'est cool. Ouais, je te montrerai en détail la mienne après si tu veux, comme ça te donnera des idées. Et donc, on va monter la lame sur ta voiture. Alors, Greg, ce qu'on va faire, on va montrer un petit peu le carton que j'ai reçu, que j'ai commencé un peu à déballer pour voir un peu comment c'était foutu. On va se mettre à la lumière, hein, ce sera mieux. Et donc, ici, voilà, on a une lame en trois pièces. Qui donc rabaisse un peu la voiture d'environ 2-3 cm, hein, parce qu'elle est un petit peu... En fait, il va y avoir ça en plus. Et donc, elle est en trois morceaux. Voilà, donc on a un côté droit, un côté gauche. J'ai pas tout déballé. Hein. Et on a la pièce maîtresse qui se met au milieu et qui a des... Tu vois, ça le rabaisse un petit peu là, de 2-3 cm. Pas trop, juste ce qu'il faut. Et donc, c'est une lame qui vient se coller au troisième sur la tranche et se visser par en dessous sur la partie plastique noire qui est sous le pare-choc. Donc on perce pas le pare-choc, on perce que la partie noire. Et donc on va monter ça sur ta voiture et on se retrouve tout de suite pour montrer un petit peu les étapes et le résultat final surtout. Voilà. Alors c'est une lame qui est vendue par Joy Tutus sur AliExpress et qui vaut à peu près dans les 80€. C'est pas très cher, hein. Franchement c'est très raisonnable comme prix et qui va faire un effet du tonnerre quoi. Allez c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la hauteur. Bon, là, elle est un peu surélevée, la voiture, hein, puisqu'elle est sur... Mais comme ça, on va faire avant-après pour montrer un petit peu de combien ça rabaisse. Peu importe la hauteur actuelle, c'est juste pour voir le avant-après. On va plier le mètre, on va se plier, c'est bien. Voilà. Donc là, on a 26,5. Et on verra, une fois posé, de combien ça la rabaisse. Ok, allez, c'est parti. On va déjà déballer les pièces, les trois pièces. Il y en a déjà une de déballer. Et comme ça, on les assemble. Après, c'est une question de... Alors oui, ça vient s'imbriquer dedans. Ok. Donc ça, en fait, on prend cette partie. On vient l'imbriquer, comme ça. Et ensuite, on met les vis ici par en dessous. Ok. Oh, c'est pas très compliqué, hein. Là, on met des vis aussi. Ouais, là, faut visser en fait dans tu vois. Ouais, hop, ces trois parties, en fait, le mieux c'est de le retourner, de le mettre comme ça, et puis de le visser directement avec des rondelles. De toute façon, il y a tout un kit de vis. Et une fois qu'on a monté les trois parties, ils sont forts les Chinois. Voilà. Bah, c'est vrai que pour le prix en plus, c'est étonnant. Hein. C'est vraiment pas cher. Hein. Alors, voilà, c'est ça que je cherchais. Joy Tutus qui m'a déjà fourni pas mal
des petites pièces. De temps en temps, il m'appelle. Il dit, tiens, on a ça à tester. C'est plutôt sympa. Donc ça, c'est pour nettoyer avant de coller, si on veut le coller. Mais honnêtement, je vois pas où on pourrait... Alors, peut-être ici. Peut-être. Mais je sais pas si ça a un grand intérêt. Je sais pas si c'est un grand intérêt. Enfin, on va voir. On va voir un petit peu ce qu'on a comme visserie. Hop. A priori, c'est toutes les mêmes vis. Hein. Je regarde s'il y en a des différentes. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de notice par contre. C'est hein. Chromé, hein. Les chromés, ça doit être pour ça. Fais voir les chromés. Où c'est que tu vois des chromés? Ah, là. Ah oui, il y en a des plus petites. C'est ça. Ok. Oui, effectivement. Alors, à mon avis, oui, ça, c'est pour aller là. De toute façon, je vois pas où ça pourrait aller ailleurs. J'ai vu la taille, les autres, c'est les autres. Ouais. Et tu vois, ça vient se visser aussi ici, là. Là, c'est le côté. Ouais, pas s'envoler, non, non, bah, c'est faut que ça tienne. Hein. Donc, effectivement, ça doit venir là. Alors, est-ce qu'il faut mettre des rondelles? Est-ce qu'on a assez de rondelles déjà? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les rondelles sur chaque vis. Pour voir si on a bien assez de rondelles. Et si on a du rab, eh ben on mettra aussi sur les autres. Comme ça. Voilà. Donc, j'ai mon tournevis qui est là. On va prendre celui-là avec un petit embout. Embout cruciforme, voilà. Ah! Mieux d'enlever ce truc là. Alors, comme c'est du plastique, on va pas trop visser fort. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire hein. et pareil ce matin dans le film. Non, vas-y. Dans la vidéo que je regardais, il parlait des plastiques moussés à l'arrière, ils sont déjà sur les 2020. Ouais, alors... Il disait qu'il n'y en avait pas, mais il y en avait. Si, il y en avait. Après, j'ai l'impression quand même qu'ils sont un peu plus qualitatifs quand même. Ah, peut-être. Ouais. Ah, peut-être un petit peu plus. Vu, j'ai vu hier et en tout cas sur les parties avant, ça m'avait l'air d'être encore plus moussé qu'avant. D'accord. Mais c'est déjà moussé, hein, de toute façon. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est... C'est le double vitrage, c'est vraiment efficace pour prendre la qualité. Là. Alors ça, j'aurai l'occasion de faire un test en réel. Tu sais, le bruit, on entend tout après quand on est dans une voiture électrique. Surtout, voilà, une voiture électrique ne faisant pas de bruit, effectivement, le moindre bruit, on l'entend. Moi, j'ai le truc sur le toit, il est en pleine prise au vent, et du coup, ça, ouais, à mon avis, ouais. ça rajoute du bruit. Ok, alors j'ai peut-être pas assez serré, ça bouge un peu. Mais je pense que mais je veux pas trop le serrer non plus, parce que je veux pas... Comme c'est du plastique, je veux pas le péter, tu vois. Ouais, c'est sûr. Là, c'est mieux, déjà. Ah, je tremble. On a voilà. Même du bon. Hein. Ce matin, j'avais peur, mais c'est vrai, c'est pas dégueulasse. Ça se maintient, ça se maintient. Ouais. Alors, on va le présenter. Et on va voir un petit peu... Oui, t'as raison. Il va être beaucoup moins joli. Alors, tac. Ça se présenterait... Ouais, moi ça serait là en fait c'est ça je pense ça ouais tu vois ça vient affleure. sur le noir ouais ça affleure le là, tu attends là, je regarde un petit peu toutes ces parties là je pense ouais. Ouais. Ah, j'ai l'impression quand même que non ça vient plus au bord moi quand parce que oui. Non regarde ça prend plus la forme comme ça regarde ouais mais au bord ça, à droite et à gauche ça va pas t'entends si, hein. Ça va. Non mais au niveau de la... aller au bout. Est-ce que tu vois, est-ce que t'es au bout là-bas? On va voir. Attends. Parce que moi je suis en retrait en fait, il reste non, ça. Non. Ouais. Non, il faut le reculer. Hein. Donc ça vient bien sur le... Et là, il est à fleur du pare-choc. Et là, t'es à fleur du pare-choc, on est d'accord, Greg? Ça dépasse même un petit peu là. Ah ouais, il suffit de le redresser un peu. Ok. Ouais, ça voilà. Ça dépasse un peu là. Ouais, je pense que c'est vraiment comme ça. Oui, c'est ça, ça vient en fait, ça vient sur la partie noire. Ça vient se visser sur la partie noire, ouais, c'est ça. C'est pas
de la gueule. Regarde à droite si ça te convient, toi, parce que moi je trouve que c'est un peu avancé. Alors, ce serait bien qu'on puisse le tenir. Il faudrait être trois en fait. Sinon, je vais remonter. Ouais, si tu veux te mettre au milieu, je vais regarder un petit peu. Comment ça se présente. La fleur du pare-choc à gauche. Ouais, voilà. Alors pour moi, il irait comme ça. Là, ici, tu vois. Et je pense qu'il faut qu'on commence par le côté, en fait. Ouais, de toute façon, c'est sûr. Et après, ouais, voilà. Puis, voilà, il faut commencer par le milieu, il se met par rapport à toi. Bah oui. Là, t'es bien, toi, de ton côté? Bah, à droite, enfin, ouais, du côté, je suis à fleur du pare-choc comme ça. Eh bah, pareil, là, je suis bon. Ouais, donc c'était bien ce que je disais. Donc c'est bien ça. Donc à ce moment-là, on va. Je pense, ouais. De quoi, tu disais? Le scotch, il va sur les bords. Sur les bords. Moi, pour moi, il n'y a pas besoin du scotch. Si tu le visses. Oui, il va pas s'envoler. À la limite, le scotch, si t'es tout seul pour le maintenir avant de le visser. Mais franchement, ça n'aura pas d'effet de le faire tenir. Ok. Bon, bah, ce qu'on va faire, on va commencer par visser un côté. Donc, je vais commencer à mettre une vis là. Ouais, tu peux lâcher. Si ouais, on va trouver un truc, ouais. Bah, déjà, ça donne un effet. Hein. Regarde, là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc du coup on a utilisé le carton pour faire support. Maintenant il n'y a plus qu'à visser, donc au moins déjà un côté. Ensuite on vissera au fur et à mesure, puis ça va se placer tout seul. C'est pas très compliqué en soi. J'aimerais bien par contre savoir un tournevis très court, parce qu'il y a des endroits où ça risque d'être assez compliqué. On va voir. Allez, hop, on va commencer à la main déjà. Alors moi il faut qu'il aille vraiment au ras, comme ça. Je regarde. Ouais. Je regarde si on est bien. Voilà, on est pas mal. Et donc la vis, elle irait là. Parce que pour passer à travers le plastique, ça va être évident. Ouais, parce que mon tournevis, en fait, est un peu long. Donc si je veux un bon appui, normalement, j'ai un tournevis qui traîne quelque part, qui est court. Parce que là, celui-là, je suis pas sûr qu'il passe. Ouais, il est un peu long. Tu vois, déjà, il a commencé à prendre à la main. Ok, je vais trouver un tournevis court. J'en ai un qui traîne quelque part. Et on va faire ça avec un tournevis court. Ça devrait le faire. Voilà. Ouais, impeccable. Donc, j'ai trouvé un tournevis plus court. Et j'ai déjà mis une vis là, impeccable. Alors c'est très discret, ça se visse bien dans le noir du plastique et on les voit absolument pas parce qu'elles sont vraiment en dessous, c'est nickel. Ça pour ça, c'est top. Et bon, on va y aller tranquillement. C'est très sport avec trois trucs au milieu. Alors normalement, donc je regarde un petit peu où il y a des trous, il y en a un là. Ok. En fait, tu regardes sur Ali, tu prends pas bien compte. Je regarde s'il est pas trop en avant. Il faut le reculer un peu, comme ça. Voilà. Soit bien au rase. Ouais, moi je suis un peu court. Bah vas-y, pivote-le, vas-y, mets-le vraiment à fleur. N'hésite pas. Là je suis bien. Là t'es bien ? Ouais, je suis bien. Ok. Oh, je regarde. C'est bien le bord du blanc. Ok. Et c'est parti. Donc là, je te mets un petit peu à contribution. Ah non, mais heureusement. Parce que t'es du côté, voilà. Chacun fait son côté. Hein. Bon, ça va bien à faire. Hein. Là, le tournevis, ça va, il est bien. Ça va aller, c'est juste que je suis pas gaucher. Ah oui, ça, moi non plus. Alors là, on aurait pu demander à Sandrine, elle est gauchère. Bon, alors, apprécier de s'allonger par terre pour visser le bordel. Ouais, en tout cas, qu'est-ce qu'elle est belle, cette là. Mais quand même en blanc c'est mieux. Bah ça claque, ouais, ça c'est sûr, ça claque en blanc. Surtout avec ça. Bah la lame, ouais, ça lui donne un look. Bon, quand il n'y aura plus le carton, ce sera plus joli. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle va bien au bord. Hein. Tu l'as bien mis au bord, hein, vraiment au rase. Hein. Voilà. Pour toi, hein, t'es bien. C'est bon pour toi? Là, ça fait presque de temps. Ça le fait. C'est juste que vraiment, t'as pas gaucher. Ah ouais, c'est pas évident. Hein. T'as laissé ton mode sentinelle, là, ta voiture a plein de messages. C'est plus, j'en ai 80, je peux l'enlever parce que... Ah, mais toi, t'étais vraiment... Ah oui, vraiment au ras. Hein. Il est vraiment fait pour, il est taillé sur mesure. Hein.
Honnêtement, les petites ailettes sur les côtés, ça fait pas dégueu, hein. Elles dépassent pas trop, elles sont discrètes. Ça lui donne un look vraiment méchant. Hein. Ça fait DTM. Ça fait très JDM aussi. Genre les voitures Japan style. Ah ouais, ouais. Ouais, complètement. Ouais, alors, j'aime bien. Pas, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de serrer. Ah oui, oui, hein, dès que la vis elle est au ras, tu vises pas plus parce que sinon, comme c'est du plastique, tu vas niquer le pas de vis. C'est bon, tu y es là ? Impeccable ? Et ben voilà. Ouais, impeccable. Nickel. Bah écoute, là, comme elle est tenue de chaque côté, on peut enlever le carton. Normalement, ça ne bougera pas. Et là, plah ! Tout se pète la gueule, oh putain. Si, un petit peu, oui, mais bon. De toute façon, on va en mettre une au milieu, tout de suite, comme ça, ce sera vissé correctement. Alors, je vais essayer de pas m'allonger sur les vis parce que sinon je pense que je vais m'en rappeler. Je vais m'en rappeler longtemps, hein. Voilà. Et on va mettre tout de suite une vis ici pour maintenir le milieu. Tout bêtement. Alors, il y a un trou là. Voilà. On va mettre la vis là. Hop. Si le tournevis pouvait rentrer dans le. Voilà. Ok. En plus, ça vise bien parce que le plastique qui est en dessous, il est un peu mou. Hein. Ouais. Il est tendre. C'est ce que j'allais dire. J'ai cru que ça n'allait pas rentrer. Non, ça rentre vraiment très très bien. En fait, dès que tu vois que la rondelle, elle est écrasée, tu vises pas plus. Ouais, c'est ça. Alors là, par contre, il n'est pas tout à fait rentré dans le plastique. Donc là, il faut que j'insiste. Ouais, ok. Là, on voit. On la voit, ouais. Ouais, on voit très bien d'ici. Donc là, on va la faire mordre un peu. Allez, ça y est, elle est rentrée. Ouais, ça pince, c'est bon. Voilà. Lâche-le pour voir. Ouais. Là, elle a bien pris. Mais c'est clair que... Voilà. Tous les gens qui vendent leur truc dans notre sac ambassadeur. C'est joli, hein. Moi, j'aime bien. Ça fait bien. Ah, j'aime bien. Ah, tu vas bien dire. Oui, oui, oui. On va en mettre une là. Oh, bah là, avec le nombre de vis qu'on met, ça bougera jamais. Hein. Ouais. Alors, hop. T'as pas mis anti-surchauffe de l'habitacle ? Parce que pour que ça ventile comme ça, c'est. C'est bizarre que ça s'est mis tout seul. Hein. Ouais, c'est bizarre. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer le. Voilà. Comme ça, voilà. Hop. Position, on dirait que je suis un sniper. Grave. Parce qu'en fait, c'est pas évident parce qu'il faut appuyer et se tordre. Ouais. Donc. Voilà, là elle a pris. Il faut appuyer derrière le tournevis en fait avec une main et tourner avec l'autre. Et là elle prend. Incroyable. Tu vois ma technique, regarde, j'appuie là et je tourne. Ouais. Allez les mecs. T'as compris ? Voilà, là elle y est. Attention, on va doucement. Va rien péter. Hein. Voilà, ça c'est bon. Là il est mis, là on va en mettre une deuxième. En fait, il y en a deux par. Tu vois, par plot là, il y a deux vis. Donc ça va vraiment bien tenir parce que déjà avec une ça tient. T'arrives pas ? J'ai pas eu de... Essaye avec celui-là, il y a plus de force. Il est plus épais. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du fini, c'est nickel. Il est vraiment sur mesure, il est beau.
Après, on verra un peu mieux avec un éclairage. De toute façon, on la sentira la voiture pour bien filmer l'extérieur. Alors, vous montez un petit peu le montage, on va pas en montrer plus parce que c'est le même principe pour toutes les vis. Hein. Mais après, on va vous montrer le résultat final. A tout à l'heure, les amis. Donc voilà, on a fini le montage. C'était pas très compliqué, hein. C'est que des vis. On n'a pas du tout utilisé le 3M, ça sert à rien. Honnêtement, pas besoin. Et vu le nombre de vis qu'il y a, franchement, ça tient super bien. Et j'ai pas mesuré la différence. Attends, avance un peu. Il est où mon mètre? Du coup, et il est là. La différence, on avait dit tout à l'heure 26,5. Et là. Non, 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 non. Je suis bête. Et là, on est à. On est à 20,5. Ça rabaisse de 6 cm quand même. Ah ouais. 6 cm. Donc ça la rabaisse bien. C'est vrai que ça lui donne un look. Nickel, ça passe. Oh la vache. Ouais, ça a de la gueule. Hein. C'est beau. Alors, je vais prendre la caméra, Greg. Parce que je vais me faire mon petit travelling. Mais de toute façon, on ira filmer comme tu as dit. Ouais, ouais. Donc, voilà donc ce que ça donne. Ici, c'est vraiment bien au ras, tu vois. C'est vraiment du sur-mesure, quoi. Comme dirait quelqu'un que je ne citerai pas, c'est bon. Oh, tu peux citer. Bien sûr, c'est Cédric. Non, super. C'est une belle personne. Super. Et donc on peut voir en dessous que c'est vissé, je sais pas si on le verra à la caméra, enfin c'est vissé à différents endroits. Hein. Ouais, obligé, tu vas. Va falloir que tu mettes les bas de caisse. Hein. Ah les bas de caisse, ouais, c'est obligé. Voilà. Donc on essaie juste de voir ce que ça donne. Ah bah t'en prends un, puis tu le places. Ah moi non plus j'ai pas compris. Je voyais pas ça comme ça, désolé. Eh ben voilà. Voilà. Oh, oui, tu vois. En même temps, ouais, ça fait marche-pied. Oui, ça reste discret, ça fait juste ça. Fait un peu marche-pied. Ça ressort un tout petit peu, ouais. Taxi, tu peux pas. Bah, le ça. Les clients, ils marchent dessus. Oui, c'est sûr. Un grand coup de la blague. Après, ça se met vraiment au ras, hein. Ça se met vraiment, voilà. Mais oui, ça existe. D'accord. Voilà. Bon, bah, t'as eu du mal, hein, à comprendre. Moi, pareil. Non, et je t'avouerai que j'ai galéré. Quand je les ai reçus, j'ai fait, mais attends, mais comment ça se met moi, ce truc-là? Moi, je voulais pas faire comme ça non plus. Non, bah, je pensais que c'était la question. Moi aussi, carbone. Moi aussi, mais non, en fait, non, tu vois juste qu'un tout petit bout. C'est pour ça que je les ai pas mis. Parce que moi, si je les mets, je veux vraiment que ça, tu vois, que ça fasse la ligne. Ça, je comprenais pas, tu me disais vers toi. Mais, ouais, mais oui, je sais, mais je te trollais. Parce qu'en fait, j'ai galéré pareil. C'est dingue. Ouais, ça te plaît? Merci beaucoup. Bah écoute, c'est avec plaisir, hein, faire plaisir à un abonné. Il est magnifique. Donc voilà, pour ceux qui veulent le même, Joy Tutus, hein, mon fournisseur, un de mes fournisseurs, sur AliExpress, le vend 79€ et quelques. 79,90€, un truc comme ça, 80 balles quoi. Donc c'est pas cher, et c'est du plus bel effet, c'est pas du vrai carbone. On a mis quoi? On a mis 20 minutes, 25 ouais, minutes. 25 minutes à deux, parce que c'est... Ouais, à deux, sans fausse. Ouais, sans fausse. 25 minutes, avec une fausse 10 minutes. Ouais, c'est ça. Avec une fausse 10 minutes, c'est que des vis à mettre comme ça, ça en dessous. Ça se voit pas, même quand tu l'enlèveras, il n'y aura pas de trous. Les trous seront en dessous, donc ça ne sert à pas. Non, mais si le jour où tu vends la voiture, on ne sait pas. Tu vois, le mec il n'en veut pas, bah, tu l'enlèves, il n'y a pas de trace. C'est même génial parce que comme il est fixé en dessous, le jour où tu l'enlèves, ça ne laissera pas de trace sur la tranche. Exactement. Parce que moi, quand j'avais enlevé le mien, il s'enquillait sur la tranche et quand je l'ai enlevé, il restait une trace derrière. C'est là que tu remettais un. Comme j'en remettais un, c'était pas grave, mais effectivement, là, aucune trace quand tu l'enlèves. Par contre, ça rabaisse la voiture, faut le savoir. Ouais. Ça la rabaisse beaucoup. 6 cm, c'est pas mal. Oui, c'est sûr que après, faut faire gaffe aux entrées de garage. Mais t'auras un sacré appui, par contre, à haute vitesse. Parce que là, en plus, il mais est. En Allemagne, bien sûr. Bien sûr. À haute vitesse en Allemagne, ou sur circuit. Mais avec le client. Ah. Au secours. Monsieur, vous pouvez écraser la pédale. Ah bah oui, forcément. Est-ce qu'elle est boostée? Non. Oh, ouais, je sais, non mais déjà c'est dingue. Alors... Ah non mais tu verras avec le boost. Ah non mais je t'emmènerai dans la mienne, tu verras. C'est déjà dingue. Mais ah ouais, ouais. Mais avec le boost c'est encore autre chose. Hein. Bah super, hein. Bah je suis content. Je suis content du résultat. On ira faire un petit travelling au bout de la rue. On a une petite place. Ouais. Ce sera plus sympa que dans mon allée. Mais on va se boire un café d'abord. Ça te va?
T'as encore un peu de temps? Ah oui, largement. On va passer. Va, je dois être juste à 16h45, je peux partir à 15h30. Ouais, donc c'est bon, impeccable. T'as bien fait de venir de bonne heure. Eh bien, super, super. Ouais, vraiment, je suis content. C'est cool. Allez, café. Bon, ben voilà, donc le résultat de la lame. Super ravi. Hein, t'es super content? J'adore. Bon, bah écoute, c'est l'essentiel. Moi, je trouve ça très beau. Ah, ça déglingue. Ça lui donne un look à ton taxi, là, agressif. Pour le coup. Oh, ah ouais. Ah ouais, non, elle est vraiment très belle. Ça lui va super bien. Donc, bon, ah bah, à savoir hein, que ça rabaisse quand même la voiture de 5-6 cm. Hein. Ça, c'est sûr. Faut voilà. Pas avoir une grosse entrée de portail. T'éviteras les chemins caillouteux que le GPS Tesla a plaisir à nous emmener de temps en temps. Hein, voilà, mais... En tout cas, merci beaucoup, Jérôme. Alors, il me semble que tu avais une petite dédicace à passer. Oui. Pendant qu'on y est. Petite dédicace à Eric e-taxi en modèle 3 LR du côté de Roy, près d'Amiens. Et petite dédicace également à un futur collègue Green Taxi du côté de Mantes-la-Jolie. Voilà. Qui sont tous en Tesla. Pareil, en Tesla. Voilà, okay. Il va avoir un modèle 2021. Il la réceptionne très bientôt. Combien elle a de kilomètres ta voiture? Beaucoup. 65 000. Sur rien, ça? Depuis mars. Ah oui, depuis mars quand même. Oui, bah, t'es taxi en même temps. Hein. Ouais, non, ça va, 65 000, ça va. Ben, super. Voilà, taxi sur Monneville. Hein, mais pas très loin de Gisors, je suis au Mont Vexin. N'hésite pas à faire le tour, hein, si tu veux, Grégory, histoire de bien montrer la bête. En tout cas, vraiment, ça lui donne un look. Ah, ça la change hein, complètement. Hein. Ça la change complètement, la voiture. Je valide. Ah, mais grave. Encore merci. Et merci aussi... à Franck hein, de m'avoir envoyé vers toi, c'est très gentil à lui aussi. Bah écoute, moi ça me fait plaisir que ce soit Franck qui t'envoie, comme ça on reste en famille. Tu c'est vois. Ça, exactement. C'est génial. Voilà. Bon bah c'est là-dessus qu'on va se quitter les amis. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas donc d'aller voir mon fournisseur Joy Tutus sur AliExpress, qui se fera un plaisir de vous vendre ce beau spoiler pour Tesla Model 3. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre. Salut à tous. Salut.